Dure fin de campagne pour Simone Veil. Hier soir, elle n'a guère pu parler de l'Europe. Les deux réunions débat qu'elle devait tenir à Paris ont en effet été perturbées par des commandos d'extrême droite du Front National de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui était là en personne rue Le Pic où les incidents ont été les plus violents. Après, tout a dégénéré, la bagarre est devenue générale, les chaises et les poings ont volé bas, les militants du Front National se sont déchaînés, poussant des hurlements, lançant des œufs pourris, des bombes lacrymogènes et fumigènes. La police, à un moment débordé, est tout de même intervenue pour établir l'ordre. Elle a interpellé 8 jeunes gens. Des incidents dont le Front National, qui manifestait pour la liberté d'expression, rejette la responsabilité sur les amis de Madame Veil et que M. Tixier-Vignancourt, au nom de la liste Eurodroite, a condamné ce matin sans réserve. En tout cas, Madame Veil, hier soir, a dû partir en catimini et la troisième réunion qu'elle devait tenir dans le 20e arrondissement a été annulée.